La conférence scientifique sur l'approche pratique d'adaptation de la culture du cacaoyer et du caféier au changement climatique tenue du 6 au 8 juin 2023 à Yaoundé connaît un franc succès avec la participation de 340 acteurs venus du Cameroun et de plus de 15 pays étrangers. En dépit de ce que cela peut représenter comme fatigue, le poids des travaux... Vous aurez remarqué que les salles de travaux n'ont pas désempli pendant 3 jours, ce qui signifie que les uns et les autres y ont trouvé un intérêt évident et que effectivement c'est un sujet qui mord, c'est un sujet qui concerne les uns et les autres, aussi bien évidemment les locaux que ceux venus d'autres horizons. On aura noté des participants de pas moins de 15 pays. À cette conférence scientifique de Yaoundé. Donc, on peut dire oui que ça aura été un franc succès. S'agissant principalement de la préoccupation liée au changement climatique, les différents acteurs sont appelés à prendre en compte ces évolutions qui sont une réalité. En clair, il s'agit de s'adapter pour des productions pérennes. Les changements climatiques, d'autres appellent des dérèglements climatiques, sont une réalité. Et il va falloir s'adapter à cette évolution des choses. Nous le ressentons nous-mêmes, en tant qu'humains. Nous le ressentons dans notre vécu quotidien. Les saisons ne sont plus les mêmes et nous devons donc nous adapter. Les cultures également doivent pouvoir s'adapter. Et l'ensemble de notre économie cacaoyère et caféière doit pouvoir prendre en compte cette évolution. Qui, évidemment, si l'on s'y prend bien, devrait être un atout et non un handicap. Vous voyez, par exemple, la répartition des pluies. Elle n'est plus la même tout au long de l'année. Ça veut également dire qu'on peut être capable, si on travaille de manière intelligente, on peut être capable de mieux pérenniser ces productions. Comme mesure d'adaptation, de nombreux scientifiques préconisent l'agroforesterie, une pratique qui, selon l'Union européenne, est sur la bonne voie au Cameroun. À la différence des autres pays producteurs du cacao, l'agroforesterie est déjà au cœur de la production camerounaise. Environ 80% des cacaoculteurs camerounais s'appuient sur des systèmes agroforestiers, plus ou moins complexes, mis en place depuis des dizaines d'années. Les femmes ne sont pas en reste. Massivement présentes à ces assises de 3 jours, elles approuvent les approches d'adaptation préconisées par les experts. À travers le partenariat CICC Lady Agri, la stratégie genre est mise en œuvre. La cérémonie de clôture connaît la présence des membres du gouvernement camerounais, des directeurs exécutifs des organisations internationales cacao et du café, des ambassadeurs et représentants des organisations africaines et internationales, du directeur général de l'Office national du cacao et du café, du président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café et plusieurs autres invités de marque.